Les annonces pour ce dimanche et pour cette semaine. Alors dimanche, la messe est à 11h. Vous pouvez vous connecter sur Zoom, toujours au même identifiant et même code Louise. Et c'est bien de vous connecter un petit quart d'heure avant pour que nous puissions préparer cette messe ensemble. Je vous invite aussi, quand vous êtes sur Zoom, d'éteindre votre micro, sauf au moment où vous avez à parler, afin de ne pas couper celui qui parle. Voilà, que ce soit pour les lectures, les chants ou le prêtre pour les prières ou l'homélie. Voilà. L'église est toujours ouverte de 9h à 18h et demain, de 15h à 18h, il y aura un temps d'adoration. Donc vous pourrez venir passer 5 minutes, 10 minutes dans l'église pour prier auprès du Seigneur. Je rappelle aussi que l'église Saint-Jean l'Évangéliste est ouverte les mercredis de 17h à 19h et les vendredis de 17h à 19h. Donc, vous pouvez aller passer un temps de prière dans cette église, mercredi et vendredi. Nous ne savons pas ce que va nous dire notre président pour la semaine prochaine, mais déjà, ça ne nous empêche pas de faire des projets. Et donc, samedi à 20h30, après les vêpres, eh bien, nous allons organiser une veillée, comme nous l'avions fait pour le 9 mai, cette fois-ci, c'est pour la fondation des Filles de la Charité qui a eu lieu le 29 novembre 1633. 29 novembre 1633, les Sœurs de la Charité, les Filles de la Charité avec leur mère Sainte Louise se réunissent et forment cette première communauté qui n'a pas encore de règles, qui n'a pas encore de statut, mais qui va devenir effectivement les Filles de la Charité. Voilà. Et donc, on va fêter la veille au soir, le 28 novembre, et c'est aussi une manière pour nous de rentrer dans ce temps de l'Avent, qui est le temps de la veille, voilà, une veillée pour veiller. Voilà, donc c'est samedi, après les vêpres, à 20h30. Je vous souhaite un bon dimanche, une très bonne semaine, et je vous dis à très bientôt. Surtout, portez-vous bien. Et portons-nous les uns les autres dans la prière et la fraternité. Au revoir.